Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle journée, que votre année 2020 se commence très bien pour vous. Alors, je vous souhaite plein de belles aventures pour l'année 2020. Je vous souhaite aussi la réalisation de vos rêves, la concrétisation de vos projets et votre propre réalisation personnelle. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies globales pour le mois de janvier, pour le signe des béliers. Alors, bienvenue les béliers, bienvenue à tous les autres signes. Donc, vous allez remarquer que j'apporte un petit changement aux vidéos. Plutôt que de séparer les énergies du mois et les énergies sentimentales, je regroupe le tout dans une seule et même vidéo. Alors, je vais vous parler de la vie active pour commencer et ensuite, je vais vous parler des énergies sentimentales pour les couples et ensuite pour les célibataires, comme à l'habitude. Alors, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général et qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui va être décrit ici. C'est tout à fait normal puisque tous les béliers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, on s'entend bien. Alors, je vous invite à écouter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Et pour ceux et celles qui auraient besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Également, toujours comme à mon habitude, ma petite clé de la destinée qui est présente pour vous rappeler que vous avez totalement le pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici. Et si une situation que vous sentez qui colle à vous et qui ne vous plaît pas dans votre vie vous dérange, en fait, c'est à vous de décider de changer le courant des choses. Et ça, c'est possible puisque rien n'est coulé dans le béton. Ce sont des tirages de probabilité et non des tirages de fatalité. Voilà. Alors maintenant, on est prêt à commencer. Je me permets toujours de répéter la même chose au début des vidéos pour les personnes qui arrivent nouvellement. Les personnes qui me connaissent déjà savent exactement mon discours. Mais pour ceux qui arrivent et qui me découvrent, bien, je pense que c'est important de le répéter aussi. Alors voilà. Donc pour vous, mes chers béliers, on va aller découvrir qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve, toujours en gardant à l'esprit que c'est un tirage général. Alors j'ai utilisé aujourd'hui pour la vie active l'oracle de l'énergie avec le Everyday Witch Tarot pour éclairer un peu et l'oracle lumière également pour éclairer les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? OK. Ah, OK. Donc, pour vous, les béliers, j'ai l'impression, ce mois-ci, mois de janvier 2020, que vous avez une décision, une grande décision à prendre. Vous êtes, en fait, vous êtes dans l'indécision actuellement. Vous êtes en train de réfléchir. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose... c'est comme si vous ne savez pas quel choix faire. Hein. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Mais j'ai l'impression... Écoutez, ça peut être dans le domaine... On est dans le domaine de la vie active ici. Mais ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine amoureux aussi. J'ai l'impression que ce tirage est beaucoup plus au niveau amoureux, hein, parce qu'on a l'ange de l'amour qui se présente. Alors, pour le moment, j'ai l'impression que ça touche à votre vie amoureuse, à vos relations amoureuses. Alors, un grand choix à faire, une grande décision à prendre ce mois-ci, au mois de janvier. Vous êtes vraiment en pleine réflexion, vous êtes en train de vraiment... vous voyez, c'est comme si vous êtes ce personnage ici qui est face à... ici devant un arbre, et moi je dirais devant un mur, hein, avec deux choix de direction, et vous êtes vraiment en pleine réflexion en ce moment. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage avec ces cartes-là. Alors on nous parle ici de partir.
Donc, pour certains d'entre vous, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de partir ou bien de quitter une situation qui ne vous convient plus, une situation qui vous dérange peut-être, qui vous étouffe aussi. Hein, on voit le personnage ici qui se libère en fait. Hein, il y a comme un portail, un grillage. Elle ouvre la porte du portail et elle quitte. Alors, c'est comme si, même si elle ne sait pas où elle s'en va exactement, parce que c'est un peu nébuleux en face d'elle, elle préfère aller vers quelque chose qui lui est inconnu plutôt que de rester enfermée dans ce portail, hein, dans l'endroit où elle est présentement. Alors, c'est possible qu'il s'agisse d'une situation amoureuse, c'est possible qu'il s'agisse d'une situation au niveau professionnel aussi, hein? Mais on vous parle en tout cas que vous devez, disons, prendre une décision en fonction de ce qui vous parle vraiment, en fonction de ce qui... de ce que vous aimez, en fait, de ce qui fait vibrer votre cœur. On a l'ange de l'amour qui est présent. Alors, on vous demande ici de faire appel à cet ange qui est rempli de tendresse. Hein, regardez, on voit cet ange avec dans ses cheveux des fleurs, dans ses cheveux, un quartz rose dans les mains. Hein. Alors, c'est vraiment un ange qui va venir vous donner... l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur aussi. Donc, faites appel à cet ange-là pour vous aider à prendre la meilleure décision qui soit, qui va vous permettre de vous sentir satisfait ou satisfaite de votre décision. D'accord? Alors, voilà la teinte, en fait, de ce tirage. Donc, on va aller éclairer un peu. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression ici que c'est au niveau amoureux. Donc, on va voir un peu ce qu'on nous dit avec la carte de l'indécision. Hein. Voyez-vous, effectivement, vous avez une situation à quitter. Hein. Vous avez envie de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, qui pour un temps vous a permis de vous amuser, vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce sont des situations qui vous convenait auparavant, mais qui aujourd'hui vous pèse, ne vous donne plus l'impression d'évoluer ou de grandir. Hein? Donc vraiment, vous avez envie de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors ici, c'est vraiment clair. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous sentez que vous avez été peut-être soit trahi, hein? Vous avez été... essayer de retrouver la confiance en quelqu'un, mais vous avez probablement tout fait, mais ça ne fonctionne pas, en fait. Vous avez l'impression là, qu'on vous a trahi, ou bien, pour certains, ça sera aussi l'impression de partir comme un voleur. D'où l'indécision, hein? Vous avez du mal à prendre votre décision parce que vous avez l'impression de tout laisser tomber et de partir en catimini, hein, comme un voleur ici. Donc, c'est clair ici qu'il y a un besoin de se libérer de quelque chose, de se libérer d'une situation qui ne semble plus vous combler. Avec la carte partir, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, voyez-vous, c'est ça. Vous avez le 7 de deniers inversé. Hein, le 7 de deniers inversé, pour moi, ça me dit que vous avez probablement fait beaucoup d'efforts. Vous avez beaucoup investi dans cette relation. Je vais me fier au fait que ce soit probablement une relation. Si c'est au niveau professionnel, ça reste la même chose. Vous vous êtes beaucoup investi, mais vous n'avez probablement pas récolté les fruits de votre labeur. Vous n'avez pas récolté... Vous sentez que vous n'avez pas récolté... assez par rapport au travail que vous avez mis ou à l'investissement que vous avez mis dans cette relation ou dans ce travail. D'accord? Alors ici, normalement, le 7 de deniers,
nous dit qu'on récolte le fruit de notre labeur. On a fait des efforts, on a été patient et finalement, on est heureux parce qu'on récolte le fruit de notre travail. Mais ici, c'est le contraire. La carte s'est présentée inversée. Alors, pour moi, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé dans cette relation-là et probablement que vous avez été la seule personne à y mettre les efforts et vous constatez aujourd'hui que malgré les bonnes graines que vous avez semées, vous n'avez pas récolté ce que vous méritez. Alors, vous préférez quitter, surtout si vous sentez qu'on vous a trahi d'une façon ou d'une autre. Et l'autre carte également, le roi de denier, la même chose, hein, le roi de denier inversé, pardon, la carte, elle était inversée. Alors, le roi de denier, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort pour s'assurer que tout va bien au niveau financier, au niveau matériel, à tous les niveaux, en fait, hein, pour apporter une certaine sécurité. Et c'est probablement ce que vous avez fait dans votre relation. Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Et encore une fois, pas de récolte intéressante pour vous à ce niveau-là pour l'investissement que vous avez apporté. Donc, de là, le besoin, l'intérêt de partir vers quelque chose de nouveau. Avec l'ange de l'amour, justement, avec l'ange de l'amour ici, bien, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Alors, je vais retourner les cartes tout de suite. OK, parfait. Donc, vous avez le 4 de denier pour commencer, lui aussi qui est inversé. Alors, on est vraiment dans les deniers ici, donc la sécurité, la matérialité, tout ce qui est concret, tout ce qui est terre à terre, en fait, tout ce qui est concret. Donc, encore une fois, peut-être qu'on ne vous a pas donné ce que vous méritiez. On a retenu ce qu'on aurait dû vous donner. En fait, on l'a retenu et vous n'avez pas récolté. Il n'y a pas eu d'échange, en fait. Il n'y a pas eu de donner et de recevoir ici. La personne probablement retenait son amour ou retenait tout ce qu'elle avait à vous offrir, n'a pas su vous l'offrir. Si c'est au niveau d'une relation, si c'est au niveau professionnel, bien, vous n'avez pas reçu votre dû ici. Et en ce moment, bien, vous avez l'impression peut-être de manquer de quelque chose, de manquer peut-être d'amour, manquer d'affection, manquer de tendresse, manquer peut-être aussi au niveau professionnel. C'est possible que ce soit un manque de ressources financière, pardon, on ne vous a pas donné le salaire que vous méritiez, par exemple. Pardon. Alors, voilà. Donc, ici, tous les efforts que vous avez mis dans ce quoi on parle ici aujourd'hui, hein, c'est vous adapter vraiment à vous, à votre situation. Il y a beaucoup de retenue et vous ne semblez pas satisfait de la tournure des événements, en fait. Vous ne recevez pas ce dont vous méritez. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous fait probablement beaucoup souffrir. Quelque chose qui vous fait souffrir. On a le 3 d'épée, pardon. Le 3 d'épée. Donc, vous êtes en pleine crise, en fait. En pleine crise émotionnel, oui, c'est possible. S'il s'agit de l'amour, vous êtes en pleine crise émotionnelle ou bien vous souffrez de la situation, quelle qu'elle soit. De là, votre indécision ici. Alors, c'est important de prendre le temps de vous guérir de cette blessure, de vous guérir de ce qui s'est passé de ce qui ne s'est pas passé que vous auriez aimé qu'il arrive, hein, dans votre vie. Alors, beaucoup de souffrance ici pour vous et besoin de vous libérer de cette souffrance. Ça, c'est très important. Alors, encore une fois, demandez l'aide de cet ange de l'amour, hein, qui va vraiment venir adoucir ou bien apporter vraiment une ouverture à votre cœur, une ouverture aussi à votre esprit pour pouvoir avoir la force
de prendre la meilleure décision, la force de décider pour votre avenir, la force de partir s'il le faut. Hein? Si c'est la solution à votre problème, mais que vous avez du mal à prendre cette décision, demandez à l'ange de l'amour de vous aider à vous donner un petit coup de pied pour avoir la force ici de faire ce qu'il y a à faire pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre plus grand bien personnel. D'accord? Et on a également le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça vous dit tout simplement hein, de faire preuve de discernement, de ne pas avoir peur d'essayer quelque chose de nouveau. Hein. On voit ici la personne qui quitte un endroit probablement très sécuritaire, mais qui n'est pas bien à l'intérieur de ces murs-là, à l'intérieur de ce portail-là. Hein. Même si elle se sent en sécurité, mais elle se sent aussi étouffée, elle ne se sent pas bien. Donc, avoir la force de quitter, mais de faire les choses avec discernement, de décider pour votre vie quelque chose de mieux pour vous. Alors, je vous souhaite vraiment de trouver la force, en fait, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors, trouvez la force, demandez à l'ange de l'amour d'adoucir, en fait, votre cœur pour pouvoir vous choisir, être capable de vous choisir, vous. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle de lumière pour venir éclairer un peu le message? Bien, tout simplement, on a balayage du passé et déplacement et route. Alors, j'ai l'impression ici que pour certains, vous allez avoir, vous devez vraiment vous débarrasser d'une situation, d'une personne, d'une relation, peu importe hein, de quoi il s'agit. Vous devez faire un ménage dans votre passé parce que cette personne-là, peut-être que, ou cette situation-là, peut-être qu'elle fait déjà longtemps partie de votre passé, dans votre cœur, dans votre tête. Hein. C'est pas quelque chose que vous voulez voir grandir davantage. Alors, balayez le passé et aller vers autre chose ici. Déplacement et route, j'ai l'impression que vous allez peut-être déménager. Si c'est pour un nouvel emploi, vous allez probablement vous déplacer hein, ailleurs pour cet emploi, pour travailler. Si c'est une nouvelle relation qui s'en vient, bien c'est probablement que vous allez déménager dans la ville ou à l'endroit où ce nouveau ou cette nouvelle partenaire habite, par exemple. Hein, mais pour trouver... pour partir et trouver ce que vous recherchez, ça demandera un certain déplacement. Alors ça vient éclairer un peu le tirage. Donc moi, ce que je veux vous dire, en fait, c'est l'essentiel de ce tirage-là, c'est de vous dire de ne pas avoir peur de faire ce qu'il faut pour votre bien-être. Essayez des choses nouvelles, même si vous avez peur de l'inconnu, allez-y, foncez, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver vous-même. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, je m'excuse déjà à l'avance si les cartes vous semblent un peu à l'envers. Je suis encore en train de m'adapter avec cette nouvelle façon de filmer. Alors, ne portez pas attention à l'endroit ou à l'envers des cartes. Hein. Portez attention simplement à ce que je vous dis. Quand la carte elle est à l'envers ou pas, je le mentionne tout simplement. Donc, je vais m'ajuster. Juste un petit peu d'indulgence envers moi, mais je vais m'ajuster. Alors, voilà pour vous, les chers béliers, pour la vie active. C'est ce dont on nous parle aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur, foncez. Même si vous avez de l'inconnu devant vous, foncez vers quelque chose de nouveau. Et ça va probablement payer beaucoup plus. Mais on va aller voir maintenant au niveau de la vie sentimentale, parce que vu que ce tirage-là nous parle, je pense, en grande partie des relations amoureuses, en allant voir vraiment dans le tirage sentimental, on va pouvoir éclairer davantage. Alors, je retire ces cartes ici.
Et là, on va faire le tirage pour les gens qui sont en couple. J'ai déjà pigé les cartes pour que ce soit moins long, bien sûr, hein, pour que le tirage soit moins long. Et j'utilise aujourd'hui l'oracle de l'amour, donc l'oracle de l'amour qui est juste ici, et le tarot, le Golden Tarot pour éclairer. Alors, on y va, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, je garde les cartes d'éclaircissement de l'oracle lumière ici. Alors, superbe. Donc, je vous rappelle, hein, ici, ce tirage-ci, c'est pour les couples. Et ensuite, on passera au tirage des célibataires. Laissez-moi simplement noter le temps. Alors, superbe carte, les amis. Vous avez le 4 des étoiles, vous avez, et qui vous parle d'avancement, d'avancée. Vous avez la roue, hein, la découverte, et vous avez l'ordre divin qui nous parle d'équilibre. Quelle belle carte vous avez! Alors, je comprends mieux maintenant le premier tirage de la vie active, hein, pour vous, les chers béliers. Je vous dirais, là, le 4 des étoiles, pour ce qui est de l'avancée, on vous dit, tout à l'heure, je vous disais de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu parce que vous ne savez jamais qu'est-ce qui vous y attend, d'accord? Ça peut être quelque chose de très intéressant, ça peut être quelque chose de moins intéressant et ça peut être quelque chose de pas intéressant du tout. Mais si vous n'allez pas vérifier, si vous n'allez pas voir, si vous n'osez pas aller vers l'inconnu, vous ne le saurez jamais et vous allez rester emprisonné dans un endroit ou dans une situation qui ne vous convient pas, que vous n'aimez pas, donc vous allez subir. Alors ici, le 4 des étoiles vous dit d'avancer, de ne pas avoir peur. Vous êtes protégé. Regardez l'étoile sur le front et un peu partout, hein, sur la carte. C'est une magnifique carte, en fait. Hein. On vous montre vraiment la protection. On vous montre un œil bienveillant, hein, qui veille sur vous, qui veille sur votre personne. Alors, n'ayez pas peur de foncer. Continuez d'avancer. Parce que c'est ce qui va vraiment vous aider à votre évolution et à trouver en fait votre équilibre. Voilà. Et ce qu'on vous dit avec pour éclairer un peu, les deux cartes ici sont présentes pour éclairer cette carte, qui vous dit, vous avez probablement beaucoup bataillé au niveau relationnel. Vous avez fait beaucoup, vous êtes maintenant épuisé. On a le 9 de bâton ici. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous retirer. Ça vient vraiment confirmer le message qu'on a eu en tout premier lieu avec le tirage de la vie active. Alors, vraiment, vous avez besoin de vous libérer, de vous reposer, de vous retirer, en fait, de cette situation qui ne vous convient pas. Et vous avez également besoin d'un temps de repos. On a le 4 d'épée ici. Alors, vous avez besoin de vous reposer d'une situation ou de vous rétablir d'une situation. Ce n'est plus possible maintenant d'endurer ce que vous avez enduré peut-être pendant des mois, des semaines, des années. Et là, pour retrouver votre équilibre, hein, ici, bien, c'est un temps parfait pour vous retirer et pour réfléchir, pour méditer à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez accepter ou non dans votre vie à partir de maintenant? Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de choses pour vous à réfléchir. Et même si ça vous fait peur de vous retrouver seul, c'est une étape nécessaire pour apprendre. D'abord, pour vous rétablir de la situation, pour vous guérir de certaines choses et pour apprendre à vous connaître davantage. C'est de prendre le temps de vous découvrir, de vous connaître. Et il n'en tient qu'à vous de faire ce travail-là. Hein. C'est vous qui décidez ce que vous faites
de votre temps? Est-ce que vous allez décider vraiment de vous retrouver seul avec vous-même pour vous découvrir, pour vous rétablir aussi, ou bien si vous allez sortir d'une situation qui ne vous convient pas pour vous mettre dans une autre situation qui, au bout du compte, ne vous conviendra plus, pas non plus. Alors ça, c'est à vous. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Hein. C'est la roue. Cette carte-là représente dans le tarot traditionnel la roue de fortune. Alors c'est vous qui décidez de tourner la manivelle dans la direction que vous voulez, bien sûr. Et on nous parle ici, avec cette carte-là, de la découverte. Alors, vous allez probablement découvrir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez probablement avoir une belle opportunité qui va se présenter à vous. Alors, pourquoi ne pas rester ouvert à la découverte? Et si vous regardez bien l'image... cette image, hein, on voit des papillons ici qui partent des racines pour remonter le tronc et arriver dans le feuillage. Alors pour moi, ça me parle vraiment d'épanouissement personnel, de croissance personnelle, du fait de grandir aussi, de croître. Alors c'est la transformation que vous acceptez dans votre vie. Vous allez nourrir d'abord et avant tout les racines. Vous allez ensuite évoluer pour grandir, hein, pour croître et pour finalement vous sentir tout à fait épanoui. Alors voilà cette belle carte de la découverte, la roue. Et exactement, on nous parle ici de possibilités de vous réaliser pleinement, de vous sentir bien, d'avoir une vie beaucoup plus remplie, beaucoup plus joyeuse, hein, vivre un peu dans le bonheur, surtout si vous venez d'une relation qui n'a pas été facile, qui ne vous a pas apporté le bonheur que vous méritiez. Bien là, on vous dit, avec le soleil, vous êtes capable de décider, de choisir, en fait, hein. N'oubliez pas qu'au début, dans la vie active, on avait cette énergie d'indécision. Alors, de prendre une décision en vous choisissant vous va vous permettre de vous réaliser, va vous permettre de vous épanouir, de voir beaucoup plus clair dans votre vie également, parce que le soleil, c'est une carte qui nous parle de transparence, de clarté, de lumière, hein? Alors, vous allez voir enfin la lumière peut-être sur qui vous êtes si vous vous permettez d'aller à la découverte de vous-même et du monde aussi extérieur. Et qui sait qu'est-ce qui vous attend? Ici, il faudra faire preuve aussi, encore une fois, de patience, parce que tout ce que vous allez faire, si vous prenez le temps de vous rétablir, de vous guérir, de méditer, d'être à l'écoute de vous-même, bien, ça, c'est, tout ça, ce sont des outils, en fait, des bonnes graines que vous allez semer pour éventuellement récolter ce bel épanouissement, hein, récolter des bienfaits dans votre vie. Alors, faire preuve de patience, parce que j'ai l'impression que pour plusieurs, surtout vous êtes des signes de feu, parfois c'est facile de tomber rapidement dans une autre relation pour combler le vide, pour combler le manque qu'on ressent lorsque on quitte une personne ou que quelqu'un nous a quittés. Alors ici, c'est de faire preuve de patience pour vous permettre le temps nécessaire, pour vous accorder en fait le temps nécessaire à votre propre découverte. Et d'ailleurs, on le voit ici que un certain temps célibataire va peut-être s'imposer pour vous, mais ce sera nécessaire. C'est une belle façon en fait de... Pardon, il y a beaucoup de reflets, de vous découvrir, hein, et d'apprendre à apprivoiser la solitude. Être un petit peu plus indépendant ou indépendante, et peut-être de moins souffrir aussi. Vous savez, si on n'est pas capable d'apprivoiser notre solitude, on souffre beaucoup de l'absence de l'autre. Mais une fois qu'on a appris à apprivoiser notre solitude, c'est beaucoup plus facile lorsqu'il arrive une rupture. Parce qu'on est capable de se remettre sur pied peut-être un peu plus rapidement. Alors, c'est peut-être une étape nécessaire pour vous de vous
de vous retrouver seul, en fait, avec un peu plus d'indépendance. Donc, vous sortez d'une relation peut-être, hein, vous avez l'intention ou l'envie, si ce n'est pas déjà fait, de quitter une relation pour ceux qui sont en couple, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous éventuellement, mais ça vous demande de la patience et aussi le fait d'apprivoiser votre solitude. Ici, vous avez l'ordre divin, la carte l'ordre divin qui vient vous parler d'équilibre. Alors, vous devez prendre le temps, accepter le temps que ça prendra pour vous rétablir, pour retrouver votre équilibre, hein, afin de mieux vivre une nouvelle relation qui s'en vient possiblement pour vous. Alors, je sais que nous sommes dans un tirage qui concerne les couples, mais pour certains d'entre vous, certains couples, certains béliers vont décider de quitter leur relation pour aller vers quelque chose d'autre, hein, parce qu'ils ne sont pas bien dans la relation actuelle. Alors ici, avec ce valet de pentacle, bien, on vient nous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Vous allez peut-être recevoir le message d'une personne de votre passé qui nourrit des sentiments amoureux pour vous, qui sait. Mais en attendant d'avoir ce message-là, en attendant d'avoir cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, prenez le temps de vous rééquilibrer, de vous guérir de certaines choses, de retrouver votre équilibre. Et ça fait partie de l'ordre divin. Bien sûr, ce ne sont pas tous les couples qui vont se séparer, hein, c'est certain. Alors, à ce moment-là, pour ceux qui sont en couple et qui sont relativement bien, hein, dans leur couple, bien, c'est simplement peut-être qu'on vous dit que votre relation vaut la peine d'être vécue, vous avez une certaine protection, mais malgré que ça va bien, on dirait que vous avez besoin d'un certain temps de repos, de vous retirer peut-être individuellement, chacun de votre côté, pour méditer, pour vous retrouver seul avec vous-même, pour vous redécouvrir aussi, et pour mieux bâtir quelque chose... pour ramener un petit peu d'énergie vitale à votre couple, d'accord? Alors ici, la même chose, hein, si votre couple est solide, mais vous sentez qu'il vous manque quelque chose à l'intérieur du couple, bien c'est peut-être parce que vous avez besoin de vous reposer l'un de l'autre un petit peu. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire de vous séparer nécessairement. Ça veut dire peut-être de faire des activités de façon un petit peu plus indépendante, chacun de votre côté. Par exemple, vous avez envie de sortir avec des amis sans votre conjoint, sans votre conjointe, juste pour mettre un peu plus de légèreté, pour... par exemple, si vous êtes une femme, vous avez envie de sortir seulement avec vos amis femmes, et la même chose pour vous les hommes. Alors, juste de vous retrouver entre hommes ou entre femmes ou avec vos amis, changer de routine, changer d'air un peu, ça va nécessairement, parce que vous savez, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, parfois on n'arrive plus à trouver des sujets de discussion. Et surtout quand on est en symbiose, quand on est toujours un avec l'autre, parfois c'est difficile de trouver des choses à raconter. Hein? C'est pas tout le monde là, qui chaque soir, quand ils vont s'endormir ensemble, se trouve des sujets de conversation intéressants. C'est toujours la routine. Donc, peut-être de faire des activités seul à seul avec vous-même ou bien avec vos amis, ou en tout cas séparé de votre conjoint, va redonner une petite énergie à votre couple ici. Peut-être aussi de faire le bilan de... chaque couple a besoin à un certain moment donné de faire le bilan de leur vie ensemble, hein. Nous sommes déjà le premier mois de l'année 2020. Alors, c'est peut-être nécessaire ici pour vous, pour redonner un petit peu plus d'énergie à votre couple, de faire le bilan de ce qui a bien été, de ce qui a moins bien été, et de voir comment ça peut... quel changement vous pouvez apporter dans votre couple, hein? Parce que ici le 9 de bâton peut nous parler aussi du fait de voir ce qui n'a pas été ce qui n'a pas bien été pour mieux faire maintenant.
D'accord. Alors, pour les couples hein, qui restent, qui sont ensemble, qui n'ont vraiment pas envie de quitter leur partenaire, bien, il y a des choses à dire également. Alors, vraiment, un temps peut-être un peu seul, chacun de votre côté, un peu plus d'indépendance, apprendre à apprivoiser votre solitude. Peut-être que certains vont être séparés par le voyage d'affaires, par exemple. Mais il y a du renouveau qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie si vous vous permettez de vivre, d'aller à la découverte de vous-même, d'aller à la découverte de l'autre, de retrouver chacun votre équilibre personnel, mis à part, c'est-à-dire sans la présence de l'autre. Voilà. Alors, vous retrouvez avec vous-même. Donc, voilà pour vous, les béliers qui sont en couple. Donc, je passe maintenant au tirage pour les célibataires. Je note le temps. Et à celui-ci, je vais le laisser ici. Alors, également, j'ai pigé les cartes déjà pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous avez déjà une très belle carte, les célibataires. On nous parle de miracle. Ah, c'est beau. Superbe. Alors, vous avez la carte miracle, la carte relation et la carte bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est que, d'abord, premièrement, si vous êtes célibataire, certains d'entre vous, vous êtes peut-être mécontent du fait d'être célibataire. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être envie et hâte de trouver quelqu'un hein, qui va vous accompagner dans la vie. Mais on vous dit ici de voir le bon côté des choses, de voir le miracle en tout. Regardez encore une fois le 7 de deniers qui apparaît pour vous, les célibataires, qui vous parle encore une fois de faire preuve de patience. Quelque chose de bien s'en vient pour vous si seulement vous êtes patient. Et si seulement, parce qu'on a le 10 de Pentacle, alors quelque chose de concret s'en vient pour vous, mais qui va vous apporter vraiment tout ce dont vous avez besoin pour être heureux dans la vie. Le 10 de denier, c'est presque la totale. Hein? C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la famille, c'est le confort matériel, c'est le confort financier, c'est la maison. Vous allez probablement être capable de rencontrer quelqu'un qui va faire votre bonheur dans tous les aspects de votre vie. Alors, les miracles existent. Il suffit d'y croire et d'avoir la foi. C'est ce qu'on veut vous dire. Ayez la foi que quelque chose de bien s'en vient pour vous. D'accord? Ne perdez pas espoir. Soyez patient. Mais en attendant que ça se produise pour vous, vous aussi, vous devez faire un certain bilan sur vous-même, sur vos relations passées. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux cette fois-ci dans la prochaine relation hein, que je vais vivre? Alors, faites le balayage du passé également. Faites le balayage de votre passé. Ne vous restez pas accroché à vos anciennes relations. Toutes les relations peuvent être différentes. Alors, ayez la foi que des miracles peuvent se produire pour vous. On vous parle ici de relations. Alors, une belle carte ici hein, de relations. Alors, ce qu'on vous dit, mes chers célibataires, avec l'impératrice et le valet de bâton, c'est d'abord, premièrement, de prendre soin de vous. Même si vous êtes célibataire, vous devez continuer à prendre soin de vous. Vous devez continuer à penser à votre équilibre mental, physique, émotionnel. Entourez-vous de beauté. Projetez-vous dans l'avenir. Faites des plans. Ne vous arrêtez pas, n'arrêtez pas votre vie parce que vous n'êtes pas en relation. Si vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas plus vivre. Hein. Il y a des gens que, dès qu'ils sont seuls dans la vie, qu'ils n'ont plus personne à côté d'eux, arrêtent de vivre tout simplement. C'est métro, boulot, dodo uniquement. Alors, ne faites pas ça. Entourez-vous de beauté.
Faites ce qui vous plaît. Prenez soin de vous. Continuez de vous coiffer, de vous maquiller s'il le faut un peu, ou juste de bien prendre soin de vous. Et c'est comme ça que vous allez peut-être attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Hein? On a un valet de bâton ici. Alors, il y a peut-être une nouvelle flamme qui s'en vient pour vous aussi, mes chers célibataires, mais c'est de continuer à garder votre énergie très haute et aussi de penser à l'avenir, de continuer à faire des projets même si vous êtes seul. D'accord? Alors, nourrir vos passions également. Nourrir vos passions, nourrir vos intérêts. Faites des choses que vous aimez, qui vous passionnent. Alors, vous savez, on est ici pour une courte période de temps, donc pourquoi s'arrêter de vivre, hein? Et aussi, je vous dirais de compter vos bénédictions dans la vie. Même si vous n'êtes pas en couple, vous avez probablement beaucoup dans la vie. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des amis extraordinaires, ils ont encore leurs parents. Vous avez peut-être une belle maison, une belle voiture, du confort. Vous respirez, vous vous réveillez le matin encore à chaque jour. Vous avez de la nourriture dans votre assiette. Alors, comptez toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie. Plutôt que de vous apitoyer sur votre sort en vous disant que vous êtes seul, que vous n'avez personne sur qui compter. Vous savez, ne soyez pas triste de ne pas avoir quelqu'un dans votre vie actuellement. Ça s'en vient pour vous. Et si vous êtes seul présentement, c'est peut-être nécessaire parce que ici, on nous parle de compter nos bénédictions, mais on vous dit que vous avez beaucoup dans votre vie. Vous avez la carte du monde. Vous êtes capable de réussir seul dans la vie. Et c'est peut-être de ça que vous devez prendre conscience, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un absolument pour réussir votre vie. Avoir quelqu'un dans sa vie, c'est un plus, c'est un bonus, c'est merveilleux et c'est bon à vivre. Mais il faut aussi savoir être bien avec soi. Et le 4 d'épée, encore une fois, qui est là pour vous dire de retrouver votre équilibre avant de penser à entrer en relation avec quelqu'un. Si vous avez des choses à guérir, si vous devez vous rétablir des anciennes relations, si vous devez vous rétablir de peu importe quelle situation, le moment, il est bon présentement pour vous de faire ce travail-là, de vous rétablir, de méditer sur votre vie, de savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie maintenant et qu'est-ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. D'accord? Donc, un petit temps de repos, de solitude qui va vous permettre d'aller à la rencontre de vous-même. C'est ce dont peut-être vous avez besoin en ce moment. Alors voilà, mes chers amis Béliers, c'était votre tirage pour ce mois-ci, le mois de janvier 2020. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions, que ça vous parle bien sûr. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour aller chercher un complément d'information. Alors, je reste disponible pour des tirages personnalisés. Mon adresse pour me rejoindre se trouve en bas dans la barre d'infos. Alors, si vous me contactez, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir un tirage personnalisé. Alors, sur ce, mes chers amis, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et j'espère que ça se passera très bien pour vous. Gardez espoir, soyez confiants, ayez la foi et aimez-vous d'abord. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Alors, merci de votre habituelle écoute. Au revoir à tous.